Quarantaine, ça se passe très bien. J'ai tellement envie de respirer l'air là, je vous jure. Ma libération est que dans 4 jours. Non, attendez, il me reste 5 jours, 4 nuits, un truc comme ça. La première activité du jour, elle va être très cool. Vraiment très très cool. D'habitude, c'est un truc que j'ai pas envie de faire. Mais quand t'es en quarantaine, la moindre activité, même si c'est nul d'habitude, et ben là t'as trop envie. Ça va être l'épilation. Eh ben, j'avais oublié que... il fallait faire chauffer la cire et que ça prendrait déjà 20 bonnes minutes. Qu'est-ce que vous voulez? On est peut-être en quarantaine, mais ça veut pas dire qu'on est organisé. Hein. Yes? So if I can have like a salad with avocado, olives, tomatoes. Okay. Do you have dry food like dates? Yeah. You don't? Okay. Thank you so much. Il y a une activité qu'on va pouvoir faire, c'est s'habiller. C'est une activité que j'ai pas fait depuis que je suis là. Ça peut être sympa, ça peut être un truc qui change en plus. Ça. J'ai pas beaucoup de barres. Hein. En fait, j'ai pas beaucoup de rien en fait. Je vais trop faire une transition TikTok. Ah bah non. Ça va pas. Comment ils font déjà? Ah mais là on voit la chaise. Pourquoi ils jettent les trucs et après... Ah bah non, on la voit encore la chaise. Cache-toi. Ils mettent les trucs sur le lit et après ils font ça et quand ils se relèvent ils sont habillés. Faut que je mette à l'envers la vidéo. Est-ce qu'ils se relèvent parce qu'ils rebondissent sur le lit? Ah mais déjà faut pas que je mette ça là parce que ça va niquer ma transition. Tac tac. J'ai même plus où j'avais mis mes pieds. Je vais pas mentir, ça se pourrait bien que j'ai rappelé le restaurant pour avoir un peu plus de bouffe. Parce que je vais pas mentir, mais j'ai bouffé que de l'eau là. Une fois que j'aurai pissé, j'ai faim. C'est un truc de ouf parce que quand tu dis vegan aux gens, j'ai l'impression que c'est la panique. Genre je les vois trop en cuisine. J'ai trop envie de descendre, tu vois, de leur dire, les gars, je gère. J'avais oublié l'élément essentiel de mon outfit, les chaussures bien sûr. Il y a un truc dans les olives, c'est trop bizarre. Où est-ce que je peux me foutre pour m'épiler? Là, il n'y a pas de prise. Je sais pas où je vais me mettre. Est-ce que je me mets là-dessus? C'est bizarre de faire ça. Bon, je crois que je vais faire ça quand même. Par contre, c'est super périlleux ce que je suis en train de faire parce que heureusement que j'ai pas de cul parce que je pourrais pas me permettre de faire ce genre de choses. Hein. Comme quoi, les petits culs, des fois, ça a son luxe. Hein. Est-ce que je vous mets de l'huile, madame? Mais oui, avec plaisir. J'ai vraiment l'impression d'être au spa là, avec mes claquettes. On va faire un truc. On va regarder la télé. Comment ça marche une télé? Attendez. Merde! Tu vois, ça marche pas. J'ai trouvé la chaîne musique, regardez. On dirait trop pas les Tokyo Hotel en vrai.
Maintenant, je vais faire un peu de pendule. On est peut-être là pour glander, mais si on peut travailler un petit peu, ça peut être très cool. J'aimerais trop sortir pour voir un peu dehors. Vous savez que les seules fois où j'ouvre la porte, et ben en fait il y a une sorte de gardien qui est assis sur une chaise et qui attend toute la journée. Et je pense qu'il est là pour nous surveiller. J'ai trop peur de sortir et de pas réussir à rentrer parce que j'arrive pas à faire marcher la carte ou je sais pas. C'est trop des trucs qui peuvent m'arriver. J'essaye ou pas? Imaginez, il me rallonge ma quarantaine, genre il me dit t'es puni, tu restes 3 jours de plus. J'ai l'impression de faire un truc super illégal. Je vais essayer de pas fermer la porte, genre pas de la clencher. Vous voyez, genre le mec, il est là, genre à chaque fois. Bon, je vais rentrer. J'ai trop fait la ouf comme ça, c'est bon, je rentre. Et j'ai eu ma dose d'adrénaline, là, pour la journée. Avec tout ce stress, j'ai l'impression que j'ai pris 10 ans en quelques semaines. Pétard, j'ai de l'avocat, je suis trop contente. Hop, les fruits, des petites olives. Trop bon. Par contre, les emballages ici, à chaque fois, ils me foutent dans ça. Paille en plastique, verre en plastique. En fait, moi, je garde les miens. Genre, je les ai ouverts une fois, je garde les miens. J'ouvre pas. Je pense que je vais les revendre au marché noir. Je pense qu'on va essayer de faire des TikTok. Est-ce que je suis obligée de roter 15 fois dans ma vidéo? C'est insupportable. J'ai envie de faire une cure de sébum et je pense que juste avant de partir à Bali, je vais prendre la giga douche de ma vie. C'est mon dîner. Mais je viens de manger. Ils m'en ont mis deux. Je pense que je vais refaire des TikTok. Faut que j'arrête de dire TikTok, hein. C'est pas du tout des TikTok. Je fais que manger aujourd'hui. Et j'ai même pas fait caca. Je vais faire le montage de mon TikTok. On a dit on arrête de dire TikTok. C'est pas des TikTok. C'est des Reels. Ah, le petit doigt de pied dans la chaise. On va faire le sport maintenant. C'est pas parce que je suis à l'autre bout du monde que j'en oublie mes routines. Rassurez-vous. Personne s'inquiétait, mais bon, rassurez-vous quand même. Je sais pas où faire mon sport parce que bah, j'ai pas de tapis pour être par terre. J'ai essayé de mettre des serviettes par terre et tout, mais ça me fait quand même trop mal au dos. Je vous rappelle que j'ai vraiment zéro cul. Donc moi, c'est directement les os sur le sol. En fait, depuis que je suis là, je fais mon sport sur le lit. Mais c'est d'un ridicule, c'est abusé. Je vais quand même faire ça ce soir. Alors, ça paraît pas comme ça, je suis plutôt partie pour faire autre chose, mais je vous assure que je vais bien faire du sport. C'est vraiment un concept, hein. Ça se trouve, je vais lancer un truc, là, tout le monde va s'y mettre. Bah, ça fait du bien, hein. Allez, ça bouge à la douche. Que j'ai ramené de France, c'est mon CBD. En fait, je me souviens plus combien de gouttes il faut mettre. S'il faut, je vais me terminer là. Dans 5 minutes, je suis au lit. J'ai enlevé l'étiquette parce qu'en fait, en Indonésie, le chanvre c'est ultra illégal. Toujours aussi bon. Depuis tout à l'heure, je fais que de pisser avec toute la pastèque que j'ai mangée. J'en peux plus. J'espère que je vais pas me réveiller la nuit. Enfin, j'espère déjà que je vais dormir cette nuit. Vas-y, dors là, voilà. Et après, on verra si je me réveille. C'est une fin.
fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je suis très très reconnaissante d'être là, même si c'est hyper frustrant d'être coincée dans un hôtel à rien faire et attendre que ça se passe. Bye. Perfect, perfect. Take off your shoes and step on the